Thank you.
Thank you.
amoureuse, si je peux me permettre de le dire, que Dieu vous bénisse. Voilà, cette fois-ci, j'espère que tout est content. Moment de grâce, elle est là, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus! Moment de je vous l'ai dit, moment de elle est là. La régie? Merci. Elle a le numéro combien? Oh,
Amen. Voilà, Dieu merci ma mère. Tout est bloqué, c'est Jésus qui peut dire amour. Viens le vin. Allez, va.
Alléluia. Cette fois-ci, celui que je m'apprête à vous présenter est une sommité, je pèse bien le mot, une sommité dans le monde gospel ivoirien. C'est une révérence, c'est une référence. C'est un papa que tout le monde a adopté en Côte d'Ivoire, mais là il fait la fierté de la musique gospel ivoirienne. Et il est là, aujourd'hui, il a voulu venir à sa manière aussi apporter son soutien à sa soeur, à sa collègue. Et nous sommes vraiment très honorés de l'avoir ici présent. Lui, c'est le président de l'Union des artistes chants de Côte d'Ivoire, Papa Emmanuel Poco. Gloire à Jésus. Ah, c'est un bon moment de partage parce que Dieu est ici. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le premier chant que je vais donner, peut-être que vous ne le connaissez pas, c'est en anglais. Il dit son ami beau, ça dit soutiens-moi. Alléluia. Amen ou amen pas? Thank you.
quelque chose pour lui. Tu as souffert de ma vie, mais même ce dont il me veut, tu es allé voir les pécheurs, je aussi t'en dis qu'il ne peut que bien, et te voilà, Jésus y abattu. Tu n'attends plus que ta mort, mon cher, l'espoir de Dieu, il y a un espoir. Jésus est la solution. On ne garde donc que de ta Jésus. Et tu as guéri. On n'en reste pas ton cœur. Si tu es dans sa voie, il n'y a rien de pire. Dès aujourd'hui que tu traverses la guerre, tes amis ont tous abandonné, tes enfants n'ont plus de reste qu'en toi, et ton époux s'a quitté dans ce village. Laisse-moi te dire, il n'y a plus d'espoir, Jésus est la solution.
Seigneur, wow, merci. Est-ce que tu as encore entendu le Seigneur Jésus? Wow! Merci infiniment. Chante Emmanuel, bois-toi, je dois te dire merci infiniment, frère. Au chante Boris Agoudio, voilà, qui s'est érigé en chorégraphe ce soir. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Voilà, merci. Voilà, nous allons continuer, nous avons dit que c'est le moment des offrandes, voilà. Nous voulons ce concert, un concert de louange, d'adoration, mais par-dessus tout, un concert de reconnaissance. Voilà, dire merci au Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a eu à faire et continue de faire dans notre grande vie. Tu es en bonne santé, tu vis ce soir, tu as des enfants qui sont en bonne santé, même s'il y a eu des cas difficiles, le Seigneur est intervenu sur l'occasion pour toi ce soir de lui dire merci au Seigneur Jésus. Et pendant que je suis en train de parler, nous allons demander à l'orchestre du l'orchestre de la chambre de venir mon enfant de Dieu. C'est l'orchestre, ils sont tous là-bas, d'ailleurs si mon temps qu'ils passent l'entrée. Pendant les offrandes, voilà, faites votre entrée. Les soeurs sont là, nous attendons vos différents dons, voilà. Viens, déplace-toi. Ça ne sera pas en musique, ça sera soft comme ça, voilà. Tu te déplaces, tu viens, tu donnes ta part, tu retournes à ta place, tu rends gloire au Seigneur. D'accord. Thank you.
ici aujourd'hui. Je veux qu'on donne une offrande d'acclamation puissante. Alléluia. Est-ce que la mienne est là? Est-ce qu'elle a compris? Elle mange à la gloire de l'Éternel. On a l'argent. Voilà. On a dit là, je suis venu raqueter tout le mias. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que le peuple de mias est là? Que pousse la vision de l'homme de notre papa. Vous serez grand parce que c'est un homme qui a mis des yeux et des mains. Alléluia. Vous avez le bonjour de mon mari. Malheureusement, vraiment, il n'est pas venu parce qu'il a eu un accident. Le chien était repoussé. On s'attend à que nous on fait la joie, il n'est pas pour lui dire qu'il a tapé pour te dire moi. Il a échoué. Alléluia. La chanson que je vais chanter. Je bénis ça mon père spirituel et sa femme. Alléluia. Ma confiance en Dieu. Quand je regarde en arrière, je compte 10 ans ou bien 9 ans en arrière. J'étais dans une maison de chambre salon. C'est là-bas que j'ai commencé le ministère. Et Dieu s'est révélé à moi et s'est venu chercher papa. Alléluia. Gloire à Dieu. Et après j'étais dans la maison en baraque, église en baraque. Quand les gens voient, ils disent c'est pas les drogues. Mais aujourd'hui, Dieu m'a amené dans le ciel. Même pour que, donc dispose-toi. Si tu as reçu Jésus, dispose-toi. Ce n'est pas une faute Dieu que tu as reçu. Sois sincère. Considère que tu as reçu quelque chose de grand dans ta vie. Alléluia. Donc, le titre du verset qui va venir, c'est ma confiance en Dieu. Parce que j'ai pris à côté sur Jésus et Jésus-Christ m'a montré, m'a démontré qu'il est vivant et que je peux compter sur lui. Amen. Ma confiance en Dieu. Thank you.
Thank you.
qu'elle va échouer. Yeah, you're right.
Le titre du morceau que tu vas chanter, s'inspirer dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Le Seigneur dit que je me tire à la porte et je frappe. Celui qui m'attend qui ouvre sa porte, je rentrerai chez lui. Je soupirerai avec lui et lui avec moi. Alléluia! Donne-moi la grande place à Dieu. Tu verras la gloire de Dieu se manifester. Alléluia! Est-ce qu'on est fatigué? On est chaud! Tous les démons qui sont là, vous entendez autour de Mias, on les déloge aujourd'hui. Voilà. À partir d'aujourd'hui, ils n'ont plus accès à cette église. Le feu va les prendre jusqu'à au terme de notre monde. Au nom de Jésus. Ah!
même créer un enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, on a séparé. Yeah.
Si tu n'es pas dans la main de Jésus, tu n'es pas dans le vœu du Saint-Esprit, le Seigneur ne va pas te révéler les choses des cieux. Alléluia. Parce que le ciel est saint. C'est les choses secrètes, les choses importantes, les choses de la valeur qui sont là-bas. Dieu ne montre pas ça à tout le monde. Alléluia. C'est pourquoi je te dis ce soir, en 2021, fais un push sur la tête du chrétien. Que Dieu te bénisse. Thank you.
Ça m'appelle ta vie.
nom de Jésus, que Dieu bénisse sa peau. Merci. Je suis responsable Soko Apollinaire de l'église, l'église mission, l'église évangélique internationale Mont Sinaï. Vraiment, on a été épaté vraiment par ce concert animé par la servante de Dieu, maman bénie de Dieu. Je souhaiterais que toutes les bénédictions attachées vraiment à la louange se déversent sur tous ceux qui ont participé à ce concert. Merci beaucoup. Merci. On peut partir, vous regardez ici. Je suis madame Boko. Je suis Saint-Paris en même temps évangéliste. À Mont Sinaï, et puis de Mont Sinaï, de Dogo de Bien Euro. En tout cas, j'ai été. La maman était formidable. Elle était magnifique pour sa chanson. Que Dieu la bénisse, que Dieu l'accompagne jusqu'à la fin de sa vie. Vraiment, que Dieu nous bénisse et que Dieu nous donne longue vie. Et je remercie tout le monde qui est venu pour la maman. En tout cas, que la famille la vie. Que Dieu bénisse sa famille. Merci. Merci. On peut partir. Bienvenue au concert de notre maman. Je me nomme madame Kouakou. Je suis de l'église Omosinaï. Nous sommes des fidèles de notre maman. Nous sommes venus la soutenir. On s'est bien arrangé, on s'est épaté. Le concert s'est bien passé par la grâce de Dieu. Vraiment, Dieu a la main sur la vie de notre maman. On la soutient partout où elle ira. Nous sommes derrière elle. Que Dieu la bénisse. Bon, moi, je vais vraiment dire merci à Dieu. Je me nomme madame Amos-Arnold. Vraiment, je suis dans la joie parce que à chaque fois que je coupe le son de maman bénie de Dieu, je reçois la délivrance parce qu'au travers de ce son, vraiment, j'ai reçu beaucoup de délivrance. Parce que quand elle chante, je me rends, il me souvient de ma vie passée. Vraiment, elle parle de ma vie passée et ma vie présente. Je suis dans la joie et vraiment, ce soir, je suis dans la joie. Que vraiment, Dieu donne longue vie à nos mamans. Que Dieu vraiment augmente encore son âme pour qu'elle puisse encore chanter, pour que l'humanité aussi soit sauvée. De toute façon, moi je suis touché, que l'humanité soit touchée, que partout ils vont écouter la chanson des mamans bénies de Dieu, que vraiment Dieu les bénisse aussi, que Dieu augmente encore la bénédiction, encore toute la vie des mamans bénies de Dieu. Je suis dans la joie. Merci beaucoup. En tout cas, bénédiction d'abord pour l'église dans laquelle je suis, et puis ça m'a aussi un sentiment de satisfaction pour ma fille. Qui vraiment, je vois que sa carrière musicale en train de prendre une essence. Vraiment, je veux bénir tout pour elle. Et puis, on a profité cette année, surtout que c'est vrai que concert. Ah non, c'est pas du tout les gens qui t'attendent là-bas là. Vraiment, ainsi la bénédiction. Donc, je lui souhaite vraiment longue vie dans ce ministère de chant, puisque le servant de Dieu. Mystère et tout, en que elle sera conciliée de Dieu et Dieu la bénira davantage. Donc, c'est une réussite. C'est une réussite et tout le monde est satisfait. Que Dieu bénisse sa sœur, que Dieu bénisse son ministère, et que Dieu bénisse toute son équipe qui est venue avec elle. Donc, c'est vraiment ça, Dieu peut bénir son cœur. Amen. Ça va? Ça vous fait, non? Interview. Mon papa a déjà parlé. La RTI. Mais faut que tu parles. Aujourd'hui, c'est. Je te cherche. Un grand jour pour moi. Le Seigneur m'a fait le privilège de venir faire un conseil dans l'église de mon papa la première fois. Vraiment, j'ai été émerveillé. J'ai dit merci à Jésus, merci à papa, merci à maman pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Que Dieu soit béni. Que l'année prochaine, on vienne encore. On fait plus que ça. Et mon papa soit dans l'émergence. Que Dieu bénisse tous les collaborateurs de mon papa et moi. Merci.